faire le salut. Descendre les mains. Fléchir légèrement. Lever la jambe gauche. Puis poser le pied largeur des épaules. Écartez légèrement la pointe des pieds vers l'extérieur et les genoux. Descendre les mains, puis les remonter en inspirant. On les descend en expirant. On tourne le corps vers la gauche, puis vers la droite avec les deux mains. On met la main droite sous le bras gauche en tournant le corps. On fait un cercle avec le bras droit pour bloquer, toujours en tournant le corps. On tourne le poignet vers l'arrière avec le poids du corps recentré en levant le pied droit. On repose le poids du corps vers l'avant, on déplace le pied gauche et on pousse le bras droit vers l'avant en fléchissant. On recule la jambe gauche en descendant les bras. Puis on remet le poids du corps vers l'avant en poussant avec les deux mains, les deux dos de la main. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On bloque avec le bras gauche en croisant les bras. On tourne le poignet, on met le poids du corps vers l'arrière en levant le pied gauche. On pose le pied gauche, on déplace le pied droit et on pousse le bras gauche vers l'avant en fléchissant. On recule la jambe droite. Et on pousse avec les deux bras. Avec les dos de la main. On déplace le pied droit en position du clou. Et on fléchit complètement. On décale la jambe droite vers l'arrière. On rapproche les mains et on met le coude gauche vers le corps. Fauchage avec la jambe gauche, trois quarts de tour. On tourne le corps. On descend les deux mains vers le pied et vers l'avant. On arme les mains. Et on pousse. Avec la jambe droite devant et les deux paumes de la main vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. On rapproche les mains, le coude droit proche du corps. Fauchage avec le pied droit, trois quarts de tour. On tourne le corps, on descend les mains vers le pied. On arme les mains proche du corps. Pousser, jambe gauche devant, et on frappe avec les deux paumes de la main. On descend les mains pour les croiser en déplaçant le pied droit en torsion. On décale la jambe gauche en descendant les mains. On arme les mains vers l'arrière. On tourne le corps vers l'avant. On pousse avec les deux mains. Armez les deux mains à gauche pour aller vers la droite. Puis faire la même chose de l'autre côté en lançant le bras droit. Je croise le bras gauche sous l'épaule. Je mets en position du paravent. Je lance le bras gauche vers le pied puis vers le haut. Pour revenir en position du héron. Pointe du pied vers le bas. Ensuite, on fléchit complètement. Position du pas dans le vide. Puis on redresse le corps. On croise le bras gauche vers le bras droit. On pose le pied gauche avec le talon.
la grue du côté gauche. Le bras droit est en haut. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On déplace le pied droit. On croise les bras. Puis on pose le talon droit devant. La main droite vers le bas, le regard vers la droite. On déplace le pied gauche et on croise les bras. Le bras droit vers le haut en premier. Tournez les poignets complètement. Tapez le pied droit au sol. Armez la jambe gauche et le bras gauche. Position du paravent. On lance la main gauche vers le bas et vers le pied. On tourne les mains vers les hanches et on frappe avec les deux mains. Armez le pied droit et la main droite vers le bas. Position torsion, main gauche devant. Déplacez la jambe gauche, croisez les bras, frappez main gauche. Déplacez la jambe droite en demi-tour, croisez les bras, frappez main droite. On recule la jambe droite en armant le bras gauche vers l'avant. Puis on déplace la jambe droite et on frappe avec le coude, main gauche en haut. Armez la main droite en cercle. Puis frappez avec la main droite vers l'avant, en armant la jambe droite, puis en posant le pied droit vers l'avant, main gauche sur l'avant-bras. On déplace le pied gauche et on pousse les mains vers le bas. On déplace la jambe gauche et on met un coup de coude droit. On déplace le pied droit en trois quarts de cercle, puis le pied gauche, puis le pied droit, en arrivant arc et flèche pour frapper avec les deux paumes de la main, les doigts vers le bas. On recule la jambe droite vers la jambe gauche, position du clou. On descend la main droite et on met la main gauche sur l'épaule droite. On se redresse. On arme la jambe droite. On frappe coup de pied direct. On arme les mains vers l'arrière. On déplace la jambe droite vers l'avant et on frappe. Main gauche, paume de la main et la main droite protège la tête. On fait la même chose de l'autre côté. On déplace le pied gauche vers le pied droit, position du clou, la main gauche en bas, la main droite sur l'épaule. On arme la jambe gauche, coup de pied direct. On arme les mains vers le bas et vers l'arrière et on frappe. Main droite, paume de la main, main gauche protège la tête. On descend les mains. On les ramène vers le corps en déplaçant le pied droit. Puis on déplace le pied droit en arc et flèche pour pousser avec le dos de la main droite et la main gauche en renfort. On déplace le pied gauche pour prendre appui sur le pied gauche, faire demi-tour en gardant les bras tels quels. On déplace la jambe droite vers l'avant pour mettre le poids du corps vers l'avant en déplaçant le pied gauche en clou. On recule la jambe gauche en armant le bras gauche en arrière. On remet le bras gauche vers l'avant qui fait un cercle pour arriver en haut. L'épaule droite bouge vers l'avant. Puis on arme le poing droit vers l'arrière et vers la hanche pour le remettre devant. Position grand chat, regard vers l'avant. Ensuite, on croise les mains, on déplace le pied gauche vers le pied droit. On descend le chi. Et on s'incline. Le Tao est terminé.